goto mi bale. Satana na yango Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur ce plateau SPS, Sauver pour Sauver. Nous sommes une fois très encouragés de savoir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre. Alors, nous espérons également que vous avez passé une très bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, Dieu au contrôle. Alors, nous sommes une fois de plus très encouragés parce que vous allez bénéficier d'une grâce excellente et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Et nous avons pour ce jour une rubrique appelée Plateau d'adoration. Nous allons passer ces moments avec le frère Lodi Muyamuna qui va nous conduire durant ces instants. Et nous vous prions d'être connectés à l'atmosphère du ciel parce que Dieu va rencontrer un cœur et vous fera du bien. Amen. Alors nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À genoux, Seigneur, mes deux mains sont levées. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. À genoux, Seigneur, mes deux mains sont levées. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. À genoux, Seigneur. Ne coulons
Mobo
Atika lola ya kufu wa mando. Yesu wa yeko
Est-ce qu'on peut mieux l'acclamer? Est-ce qu'on peut mieux l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Acclamer, c'est Jésus. Acclamer, c'est Jésus. Acclamer, c'est Jésus. Atika Lola, Yakofon, Mamapoto Molanke, Monaï. J'aimerais dire à une personne que le ciel est ouvert. Et ces moments, nous les passons dans la présence de Dieu. Et je sais que cette présence vous affecte là où vous êtes et vous fait du bien, console le cœur et amène la joie là où il n'y avait plus la joie. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible dit clairement, là c'est Dieu qui parle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est-à-dire qu'il est compliqué, c'est une question en fait. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans pourtant qu'ils attendent, ils s'attendent au départ. Qu'ils se conviennent sur des certaines bases, clauses si je dois dire. Et à la croix, Jésus-Christ n'a pas été crucifié seul ce jour-là. Il était accompagné, si je dois dire comme ça, avec deux voleurs, des amis voleurs qui ont collaboré beaucoup de temps ensemble. Ils se sont convenus sur certaines choses et ils marchaient ensemble. Mais ce jour-là, à cause de l'œuvre de la croix, l'un a choisi de se dissocier de son ami pour s'accorder à une autre personne. Il est vrai que tu t'es peut-être accordé à des certaines souffrances, difficultés, à des certaines conduites de vie. Je ne sais pas, c'est l'ivrognerie ou comment, c'est l'impudicité. Depuis beaucoup de temps, tu as vécu avec ça. Et vous marchez ensemble, mais à un certain niveau, tu te rends compte toi-même que franchement, je ne peux plus marcher avec lui. On ne se convient plus parce que là, l'ivrognerie ne me soulage pas. Alors que j'ai des problèmes, je prends l'alcool pour me soulager. Mais dès lors que l'ivresse s'en va, mes problèmes, je les retrouve encore. Je pense que ça ne t'aide pas. Je pense qu'aujourd'hui, fais comme ce voleur à la croix. Celui qui a pris une bonne décision de se dissocier avec celui avec qui il a commencé à vivre pendant beaucoup de temps. Un ami de longue date, si je dois dire, mais qui ne l'aidait pas à s'améliorer, qui ne l'accordait pas la paix du cœur. À chaque fois, il était tourmenté. À chaque fois, il avait des problèmes. À chaque fois, il devait fuir de personnes qu'il a volées, de peur qu'on reconnaisse son visage. Mais ces jours-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit, non, je vais m'accorder à celui-ci. Celui-ci, son amitié nous accorde la paix. Celui-ci, son accord amène la joie et l'assurance. Hein, même lorsque ça chauffe, même lorsque le feu est encore chauffé sept fois, mais s'il est avec nous dans le feu, nous n'allons pas être brûlés. Et j'aimerais dire à une personne que ces problèmes-là, si Jésus entre dans ta vie, ces problèmes partiront. Et aujourd'hui, je te propose une autre personne avec qui tu dois t'accorder. Est-ce que le mina n'a pas de problème ou en athée? Pensez à un roi Jésus. Est-ce que l'embino nous vit ou en athée? Est-ce que l'embino n'a pas de problème ou en athée? Est-ce que couper sa vie est pas à Jésus? Ou ça, est-ce que nous avons une amitié? Mais ce qui est bon et meilleur, il a dit à ces voleurs-là, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Moi et toi, nous serons dans la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est aujourd'hui, si tu acceptes de faire un choix, tu entres dans la gloire de Dieu. Tu entres dans la famille de Dieu. Et de là où tu nous suis, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu es fatigué de toutes tes amitiés, tu veux te désaccorder pour t'accorder à Dieu, tu peux simplement répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. J'ai dit non au diable. Je dis non à la boisson enivrante, alcoolique. Je dis non à l'impudicité. Je dis non au monde et à tout ce qu'il me propose. J'ai dit oui à Jésus. Prends place dans ma vie. Règne en maître absolu.
Maintenant, j'accepte de m'accorder avec toi et passer le reste de ma vie jusqu'à l'éternité avec toi. Saint-Esprit de Dieu, prends place dans ma vie et conduis-moi selon les modèles de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et là, nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous accompagne dès lors. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ces cœurs que tu convaincs. Merci pour ces personnes que tu sauves. Et je prie éternel, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu qui a affecté les disciples, alors qu'avant, c'est Pierre pouvait régner Jésus, mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu était descendu, il était capable de témoigner Christ face aux milliers de personnes. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu affecte la vie de quiconque nous suit et que la paix de Dieu qui soit par toute autre paix soit le partage de chacun en le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'Évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.